Après la qualification acquise sur le terrain lors de la manche retour que la Guinée avait gagnée 2-0 contre le Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23, la Fédération nigériane de football avait engagé une bataille administrative contre la Guinée auprès de la Confédération africaine de football. Elle reprochait à la Guinée, dans sa plainte portée à la CAF, d'avoir aligné Alseni Souma, joueur du Oréa AC, affirmant que ce dernier a dépassé l'âge requis pour cette compétition. La NFF, qui soutenait avoir les preuves concrètes contre le joueur incriminé, demandait à la CAF de disqualifier la Guinée à son profit. Mais l'instance dirigeante du football africain, s'appuyant sur ces enquêtes, a débouté la Fédération nigériane de football et confirme la participation du Sili Espoir à la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui aura lieu du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc. La Guinée est logée dans le groupe A en compagnie du Maroc, du Ghana et du Congo-Brazzaville.